J'ai compris d'entrée de jeu que l'énergie, c'était la vie. Qu'il fallait avant tout se préoccuper de la nature. Non, j'en ai rien à foutre. Moi, ce que je veux, c'est que la boîte, elle tourne. J'ai besoin de travailler avec des pros qui maintiennent comme il faut mes infrastructures. Mais bien cerné concernant la gestion de l'eau. Merci. Mais il y a les économies qu'on peut pas faire. Et les 10 centilitres par chasse d'eau! C'est pas possible! Vous voulez voir? Bon, c'est pour une station d'épuration ou... Bon. Votre partenariat avec Pastaga. Oui. Alors, ce que je vous ai présenté par téléphone, c'est que... On fait un petit partenariat avec Pastaga pour assainir l'eau un petit peu de pastis. Les consommateurs, vos employés, ont rapidement une petite addiction. Tu sens le petit goût d'anis, là, derrière, là? Pour finir. Et là, un mois après, tac, 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 le commercial arrive. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Et là, généralement, ils vont très bien. Dans le cadre de ce partenariat, l'eau est beaucoup moins chère pour vous. Vous avez bien compris. Vous savez me prendre par les sentiments. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah bah moi, vous me dites, hein, je peux tout faire. Je régule, je monte, je baisse... Ah mais ok, j'ai bien compris, d'accord. Mais le problème, c'est que moi, avec votre plan de proposition Sibérie, me voici. J'en suis à deux arrêts maladie. Faut savoir ce que vous voulez, hein. Moi, ce que je fais, c'est des économies au moment T, à l'instant. Éventuellement, ce que je peux vous proposer, c'est... Ah si, c'est l'effet Hawthorne. En français, ça donne? En fait, on travaille mieux dans la proximité, la convivialité, la chaleur. Je l'ai fait chez les voisins, ça, c'est un concept intéressant, c'est-à-dire que je fais monter la température par palier. Tout doucement. Vous voyez, 21, 22, 23... Ok, ouais, non mais... Ah oui, non mais ça peut être bien ça, ça peut être bien. Oui mais alors, uniquement pour moi, dans mon bureau avec Thérèse. Allez, faites vite, j'ai pas trop de temps. Qu'est-ce que vous avez à me proposer là? Une carte électronique espion qui badge toute seule sans que le salarié n'ait besoin de badger. Oui mais à quoi ça sert? Ben, si les gens veulent partir avant l'heure, tac tac tac, une voix se déclenche. Vous n'avez pas atteint votre quota d'heure. Je répète, vous n'avez pas atteint votre quota d'heure. Ha! Alors ça me plaît. Ah, je vais enfin pouvoir poser mon porte-voix. Bon, vous me faites la même chose pour les heures sup. Hein. Il n'y a pas d'heures sup ici. Hein. L'heure, c'est l'heure, même dans le Loiret. L'heure. Le Loiret. Ah oui. Ok, bon, c'est pas grave. Allez, j'y vais. Je dois aller taper sur un salarié. Merci bien.